Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tout le bien, nous te rendons grâce pour tout le bien fait reçu de toi. Et nous te prions humblement pour ceux que tu as soutenus dans ta bonté et dans cet exercice de protection de nos enfants. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes. Dieu dont la miséricorde est sans mesure et la bonté inépuisable, nous te rendons grâce pour le don que tu as fait et nous en appelons, Maître souverain, à ta bienveillance. Protège ces enfants, bénis cette nouvelle maison, bénis également tous ceux et celles qui ont fourni beaucoup d'efforts pour que cette œuvre soit ce qu'elle est maintenant. Bénis le Seigneur, donne-leur le courage, la force et le bien dont ils ont besoin pour qu'ils continuent, Seigneur, ta mission en cet endroit. La mission d'encadrer les enfants, la mission de prodiguer les conseils, mais aussi de les nourrir, de leur donner tout ce dont ils ont besoin pour qu'ils soutiennent aux besoins de ces enfants. Mais ouvre aussi leur cœur au bien du monde à venir. Dieu le Père avec son Fils et le Saint-Esprit vous a traité avec amour. Qui vous bénisse, vous qui êtes rassemblés ici, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, exauce nos prières et que nos prières arrivent jusqu'à vous. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, Jésus. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, bénis ce lieu, bénis cette maison. Faites que la santé, la chasteté, la vertu, la bonté, l'exécution de la loi et les actions de grâce à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit y règnent. Que cette bénédiction demeure sur ce lieu et sur tous ceux, surtout sur tous ces enfants et leurs encadreurs, ceux qui y habiteront ou qui y habitent ici, et à présent et pour le siècle du siècle. Seigneur Dieu Tout-Puissant, daignez bénir nos enfants ici présents, leurs responsables, ainsi que les personnes et les choses qui s'y trouvent. Daigne bien la sanctifier, la combler de vos dons. Accorde-leur l'abondance, la vigueur et la vie, et par l'accomplissement de ce vœu, conduisez le Seigneur sur le chemin de votre miséricorde. Daigne à leur entrée bénir et sanctifier cette maison, cet endroit, comme vous avez bien voulu bénir celle d'Abraham, Isaac et de Jacob. Que vos anges demeurent dans ce lieu, entre le mur de cette maison et de cette parcelle, et la garde ainsi que ses enfants. Nous te les demandons par toi-même qui es créateur ineffable, parce que toi tu vis et règnes maintenant et pour le siècle du siècle. Amen. Oh,
Papa, tu as